Direction de Houche, le ballon en direction de Patrick Prats, qui est beaucoup plus rapide que son opposant. Patrick Prats, la frappe! Ouh, ça passe juste à côté! Mais quelle première occasion pour l'inévitable Patrick Prats! Mais cette frappe du gauche passe de peu à côté des cages défendues ce soir par Guillaume Robert. La récupération là dans Salès. Salès, c'est bien joué ça, de Salès qui fait parler sa vitesse. Salès toujours le petit ballon. Il est bon en direction de Rémi de Coster. Ça va être dedans ça! Non, ça passe au-dessus! La réplique de Temeïn sur cette frappe de Noël. Et Patrick Prats qui est parti là. Patrick Prats qui a de l'espace. C'est du 3 contre 5. Le petit ballon de Patrick Prats en direction de Quentin Merpoul qui est parti sur le goal. Merpoul va-t-il marquer? Oh, c'est le poteau! Et Patrick Prats! Oh, c'est goal ça, ouais! Patrick Prats pour le premier but de cette partie. Cette frappe tout d'abord de Quentin Merpoul sur le poteau. Et puis Patrick Prats qui ne se fait pas prier pour mettre ce ballon au fond en 0. Pour les Fagnards, le 17e but de la saison pour Patrick Prats. Ah, il est inévitable cette saison. 27e minute de jeu. Coup franc intéressant en faveur des Fagnards. Et Van den Abel derrière le ballon, il est bien donné. La tête et le deuxième. Mais quel beau ballon de la part de Van den Abel. Et le doublé pour Patrick Prats qui s'est élevé plus haut que tout le monde pour mettre cette tête hors de portée de Guillaume Robert, le deuxième dans cette partie. Noël en direction de Nathan Delbecq. Il y a un pénalty. Oui, pénalty pour Temeïn. Adam Salès derrière le ballon juste avant la mi-temps. Salès qui s'élance et c'est arrêté. Et c'est arrêté par Maxime Van der Melen qui plonge parfaitement. Et donc on va donc en rester là sur cette première période sur le score de 2-0. Et ce doublé de Patrick Prats. 59e minute de jeu. Le coup franc extrêmement intéressant. Et Prats derrière le ballon. La frappe de Prats. Et le triplé pour l'attaquant français de Couvain-Marie-Hambourg. Kémy Guillaume Robert n'esquissait aucun geste sur cette frappe, sur ce coup franc parfait de Prats. 3 buts, 3-0 et 3 fois Prats. On ne voit pas comment les Tamilois vont revenir dans cette rencontre. Ils sont plus faibles que leurs adversaires ce soir. Il n'y a rien à dire. Salès qui se remet sur son pied gauche. Le ballon de Salès en direction de Francotte. La frappe de Francotte. Mais quelle belle intervention de Van der Melen qui conserve le 0 pour l'instant. Mais belle occasion pour Temeïn. 70e minute de jeu. Coup franc extrêmement intéressant à nouveau pour Couvain-Marie-Hambourg et Patrick Prats derrière le ballon pour le 4e. Pourquoi pas? Oh, il est parfait! La latte! Oh, c'est goal ça, ouais! Le 4e pour Couvain-Marie-Hambourg pour les Fagnards qui s'amusent. Mais quel coup franc à nouveau de Patrick Prats qui s'écrase sur la barre et puis qui reprend ce ballon. On n'a pas vu, on est loin. Mais de toute façon, Couvain-Marie-Hambourg va s'imposer dans ce match assez facilement maintenant. Le centre vers Davrychov. Oh, quel goal! Oh, quel goal! Il vient de monter au jeu. Goela Davrychov, qu'est-ce qu'il nous met là? Ah ouais! Ce goal sera dans notre top but, ça c'est évident. Oh là, quelle reprise hors de portée de Guillaume Robert. Magnifique. 5-0 maintenant pour Couvain-Marie-Hambourg. Un score de forfait. Voilà, c'est terminé. Victoire 5-0 de Couvain-Marie-Hambourg. Il n'y a pas eu photo entre les deux équipes ce soir. Victoire importante pour les Fagnards. Victoire, mais pas si tranquille que ça. Après, voilà, on a montré, je pense, un peu plus d'envie qu'eux. On était plus conquérant dans les duels. Et voilà, on a su ouvrir le score et voilà, on a su amplifier le score. Et je pense que le 2-0 leur fait mal. Ensuite, le penalty loupé juste avant la mi-temps leur casse les pattes, je pense. Et après, direct en reprise, en seconde période, on fait le 3-0 et de là, je pense qu'on leur coupe les pattes. Cette tranche, vous la voulez? On va pas s'en priver, hein. On l'a porté de main, il reste un match à aller prendre à Tournai. Si on le prend, on peut compter que sur nous, hein. Si on va chercher la victoire à Tournai, elle est à nous, on est autant.